Un retable est une œuvre peinte ou sculptée, ou les deux, présentée sur l'autel d'une église ou d'une chapelle. Celui d'Isenheim était installé dans le chœur, derrière le jubé. Il s'agit d'un polyptyque à double paire de volets peints, conçu pour trois présentations distinctes selon le calendrier liturgique. C'est donc une œuvre en plusieurs morceaux, comme un album géant, disposé ici, vous le voyez, dans toute la longueur de la chapelle. La lumière suggère l'incarnation du Verbe qui se fait chair et annonce déjà la suite de l'histoire. La palette colorée, quant à elle, intense, fait danser les musiciens par des effets de profondeur et de coloris raffinés. Avec un lion, un lion Saint-Antoine, le bâton en forme de T, un lion à l'intérieur du tilleul, le Christ dans le tilleul, les mères de l'église, non, les rinceaux dorés, ainsi. Des questions?